wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Ici la caisse, Blanc-Bec. Voici certainement le plus ingénieux des pistolets à eau qui fut réalisé depuis la naissance de la balistique. Quel merveilleux pistolet à eau. Il n'y avait rien à faire, patron. Ce Félix s'est montré plus fort que moi cette fois-ci. Nous allons voir s'il résiste à mon nouveau pistolet qui force à m'aimer. Quoi encore? La caisse, et tout de suite. Le pistolet qui force à m'aimer. Ce pistolet à eau, quelle merveille, quel triomphe! Mais malheureusement, ses effets ne sont pas assez durables. Mais moi aussi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Monsieur Félix vient de m'abandonner. Et la caisse est partie avec lui. Moi qui avais toujours caressé l'espoir qu'un jour Félix pourrait me succéder à la présidence de cette banque. Mais maintenant, il ne me reste plus hélas qu'à m'en aller chercher la police. C'est nous qui avons tout l'argent et c'est Félix qui aura la prison. Mais tu as les caractéristiques d'un félin. Nous avons des points communs. Serais-tu un lion? Un chat? Un lion, nous sommes cousins. Ah.
patron, faut pas m'abandonner comme ça. Je fais le plein de mon pistolet qui force à m'aimer. Et ça s'appelle aussi un pistolet à eau. Des animaux, arrête Félix immédiatement. Oh, on n'est plus cousins. Venez avec moi, monsieur l'agent. Vous voyez, Félix et la caisse sont partis ensemble. Rocky la brute. Le professeur doit être dans le coup. Ils se sont emparés de Félix. Tournez-vous de ce côté, patron. Arrêtez-moi. Je suis au monde pour faire plaisir à Félix. Ah, oh. C'est formidable. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Toujours ce même Félix est toujours accompagné de son fameux sac magique. Ce sac finira par me tourner les sangs et me liquéfier la cervelle. Son image me poursuit jour et nuit et jour. Je ne peux plus penser à autre chose. Je ne peux plus voir un sac sans m'imaginer qu'il a des vertus magiques, comme celui de mon ennemi. Halluciné, la tendre volaille de Bresse se change en sac. Je suis atteint de sacomanie. Absolument que je mette la main sur ce sac magique. Mais comment faire? Et puis ce maudit sac n'obéit qu'à l'immonde Félix. Il n'obéit qu'à l'immonde Félix. Voilà qui fait germer en moi une idée géniale. Ce travail est terminé. Ma plus grande, ma plus bouleversante, ma plus fantastique invention, le Félix mécanique. Maintenant, procédons aux essais. Moi, je m'appelle Félix. Moi, je m'appelle Félix.
la marche. Je vais me lancer sans attendre sur les traces du fameux sac magique. Le voici qui s'approche. Cette fois, tu as perdu la partie, Félix. Le moment est venu d'utiliser mon merveilleux robot. Enfin, ce sac est à moi, ce soin qui est à ma, ce moi qui est à ça. Ce fameux sac magique. Je vais faire avec lui des choses fantastiques. Regardez, cet imbécile de sac prend mon robot pour son maître. Derrière un Félix ridicule marche l'absurde réticule. Et pendant ce temps, le véritable Félix est en train de mourir de peur, enfermé dans le noir, dans une caverne et sans lueur. Nous allons procéder à la première expérience pour voir si mon Félix mécanique pourra commander au sac magique. Je veux voir sans tarder, pointu et vertical, ce sac se transformer en fusée sidérale. Ça y est, mon bidule a fonctionné. Désormais, le monde m'appartient. En voilà une histoire. Où diable mon sac a-t-il bien pu passer? Félix! Tu ne pourras jamais le ravoir, jamais! Jamais mon sac ne voudra vous obéir, professeur, tant que je me trouverai là, oui? Voici ma dernière chance d'être enfin débarrassé de cette peste. Je commence à en avoir assez de toutes ces plaisanteries ridicules. Je prends le sac et je me sauve. D'accord, nous allons nous amuser beaucoup tous les deux. Cet abominable matou croit être le plus fort, vous allez voir. Je vais déchaîner toute la force prodigieuse de mon robot. Vas-y, assomme-le! Eh ben, ça vous apprendra, professeur, à commettre un excès de vitesse! Enfer et damnation, mon robot vient de mourir. Quels que soient mes efforts, je connais l'infortune. Félix est le plus fort, je ne vaux pas une thune. The cat, the one.
wonderful, wonderful cats. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Attention, amis sportifs, attention. Voici le grand événement de la saison que nous attendons tous. Cet après-midi aura lieu la grande course de ski annuelle. Le vainqueur, celui qui totalisera le plus grand nombre de points, recevra la somme de $500. La compétition est ouverte à tous. Rocky, voilà une excellente occasion pour nous d'utiliser mes fameux skis à réaction. À réaction. Sous chaque ski a été habilement fixé un minuscule moteur à réaction, tout ce qu'il y a de plus perfectionné. Tiens, regarde. Tu l'actionnes au moyen de cet ingénieux petit dispositif que tu gardes dissimulé dans ta poche. Avec des skis équipés de cette façon, tu ne peux pas ne pas gagner la course. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve suivante. Le saut au tremplin. Le premier concurrent que vous voyez prêt à prendre le départ est Rocky la Brute. Une sensationnelle, une extraordinaire performance. C'est un saut de grande classe. Le concurrent suivant que vous voyez là, bien planté sur ses skis, c'est Félix le Chat. Magistral, chers amis sportifs, magistral. Magnifique, sensationnel. Félix et Rocky la Brute sont à égalité. Tout va dépendre maintenant de l'épreuve finale, la course de descente sur le versant de la montagne Casse-Cou. Je trouve que ça descend vraiment beaucoup. Ne t'inquiète pas, Rocky. On va induire Félix en erreur en changeant de place une des flèches indicatrices placées sur le parcours de la course. Ils sont partis! Félix mène pour l'instant, chers amis sportifs! Le voilà, dépêchons-nous de changer cette flèche de place pour égarer ce maudit Félix. Pas trop dur la neige, Félix? Chers amis, notre grande compétition sportive annuelle est presque terminée. La course de descente finale le long de la montagne Casse-Cou se déroule actuellement dans un temps record. Rocky la Brute et Félix le Chat se disputent ardemment la première place. Ah, mais qu'est-il arrivé tout d'un coup? L'un des deux champions, Félix le Chat, a disparu. Félix est tombé grâce à cette flèche déplacée. Je suis sûr à présent de gagner la course. Amis, une chose encore jamais vue. Une énorme boule de neige bien en équilibre sur ses skis a pris part à la course. La boule de neige, skieuse remarquable, gagne du terrain sur Rocky la Brute. C'est un événement unique dans les annales du sport. Je crains même qu'aucun règlement, aucune convention n'ait prévu cette situation.
Attention, Rocky la brute. La course va reprendre, tenez-vous prêt à repartir. Allons-y gaiement, Rocky. Hé, hey, patron, au secours. Voyons, voyons, voyons. Il doit bien y avoir un moyen d'empêcher ce petit trouble-fête de Félix de gagner la course et les $500. Eureka! Je vais tout simplement aller voler la ligne d'arrivée. Félix, chers amis sportifs, est sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Félix n'est pas arrivé, Félix est disqualifié. Rocky! Rendez-moi cette ligne d'arrivée, traître malfaisant, horreur moustachu! Jamais, jamais, j'aimerais mieux mourir. La ligne d'arrivée est à nouveau en place, chers amis sportifs. Et Félix, le chat, vient juste de la franchir en vainqueur, enlevant haut la main cette magnifique course. Cher ami Félix, je salue en vous un grand champion. Merci, monsieur le président. Comme je regrette que le professeur ne soit pas là pour me voir à cette minute. Wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. C'est gracieux, c'est charmant. La la la, la 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 la.
faut que je rajoute un peu de tabac. C'est le moment de ficher le camp. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Tu sais ce qui attend les visiteurs qui osent entrer ici? Non, je n'en sais rien et je n'ai pas envie de rester chez vous pour le savoir. Il est probablement dans un coin en train de se cacher. Je vais bien le trouver. Entrez. C'est gracieux, c'est charmant. Maintenant, je te tiens. Oh. Wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, cher monsieur Félix? Je suis en train d'essayer ma nouvelle soucoupe volante. Voulez-vous venir vous joindre à moi? Avec joie, et vois-tu l'intention d'aller, petit biquet? Je pense qu'un voyage à travers l'espace ne peut que s'avérer plein d'enseignements. Vous êtes tout à fait prêt, mon cher monsieur Félix? Je suis tout à fait prêt, petit biquet. Partons! En route, alors! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de grave, rassurez-vous, rien de grave. J'ai simplement appuyé sur le bouton descente au lieu d'appuyer sur celui montée. Cette fois, pas de fausse manœuvre. Je ne suis pas encore très habitué à ce tout nouveau modèle. Quel doit être notre premier arrêt, petit Mickey? Mais voyons, Félix, la Lune. Nous sommes sur orbite à présent. Nous pouvons nous détendre un peu. Formidable! Selon mes calculs, lesquels ont été soigneusement vérifiés par moi avant notre départ, nous devrions être sur la Lune. Comment, déjà? Déjà sur la Lune? Ouah! J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Oui, monsieur. Alors, monsieur Félix, alors, la Lune est-elle bien comme vous l'imaginiez? C'est-à-dire, pas tout à fait, non, petit Mickey, pas tout à fait. Je me demande quelle sorte d'habitants il y a sur la Lune, si ce sont des gens aimables ou non. Je ne sais pas comment sont les gens. Mais les oiseaux sont bien hargneux. Il y a des oiseaux?
Comme c'est intéressant, je vais voir. Hey. Violent coup sur mon occiput. Peut-être ferions-nous bien de sortir afin de montrer aux indigènes que nous n'avons que des intentions pacifiques. Ce serait une bonne idée, je crois. Attends-moi, petit Mickey, attends-moi. Oh, c'était donc ça. Tu t'es trompé, calculateur à la manque. Nous n'avons jamais été sur la Lune. Non, vous croyez? Regarde. Voilà donc l'élément qui a malencontreusement interrompu notre course. Mais c'est un petit détail de rien du tout, une bagatelle. Allez, montons. Nous allons maintenant tranquillement reprendre notre voyage. Nous devrions approcher de la Voie lactée d'après mes calculs, monsieur Félix. Il a dit la Voie lactée. Il n'y a même pas trace de l'ail écrémé. À partir de maintenant, c'est moi qui mène le navire. Monsieur Félix se conduisait avec circonspection. Sinon, nous risquons de nous trouver pris dans la ceinture de gravitation. Nous sommes pris dans la ceinture de gravitation. Nous allons être réduits en miettes. Je crois que notre soucoupe se trouve prise dans la ceinture de gravitation, mon cher monsieur Félix. Et alors, que va-t-il se passer maintenant? Une chose très simple, nous allons être écrabouillés, désintégrés, tués. À moins que nous ne parvenions à persuader la ceinture de gravitation de laisser ma soucoupe sortir de son cercle. Permettez que je vous aide, mon cher monsieur Félix. Je crois que c'est préférable. Je vais commencer par appuyer sur ce bouton. Victoire, petit Mickey, nous sommes libérés. J'en suis très heureux, monsieur Félix. Nous l'avons échappé belle. Nous avons failli y rester à cause de cette maudite ceinture. Et maintenant, appuie sur le champignon et en route pour la Lune. En route pour la Lune. Je n'ai encore jamais appuyé sur toutes les manettes à la fois. Peut-être est-ce le bon système pour aller plus vite? Je crois que cette fois, nous pouvons espérer à l'unir bientôt. Ce n'est pas si simple que vous semblez le penser, cher monsieur Félix. Nous allons d'abord être obligés de subir une bonne petite averse. Qu'est-ce que tu dis, une averse? Aucune importance, j'adore l'eau. Le pauvre innocent ignore de quel genre d'averse il s'agit. J'avais jeté un coup d'œil. Les voilà, votre averse, ce sont des météorites. Sans petit peu! Ils arrivent, c'est un véritable ouragan! Je vais changer notre route afin de les éviter. Ils sont juste derrière nous, vite, plonge! Oh, tu peux continuer, la tornade est passée. J'ai trouvé, je sais pourquoi les météorites nous suivent, cher monsieur Félix. Les isotopes ultra-ionisés de ce nouveau modèle de soucoupe, au lieu de les repousser, les attirent. Donc, un seul moyen, faire agir mon dispositif isolant. Ils continuent d'arriver en masse. Attention! Seigneur! J'ai perdu totalement le contrôle de ma soucoupe. Nous avons reçu trop de projectiles, je ne peux plus rien faire. Nous prenons la stratosphère de toutes parts, il va falloir abandonner le navire, monsieur Félix. Je suis tout à fait d'accord. Eh ben dis donc, je croyais pas en réchapper. Toutes mes plus sincères félicitations, mon cher monsieur Félix. Non, c'est trop affreux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ta soucoupe volante semble menacée de se retourner et elle est pleine de pierres et de morceaux de météorites. Cette fois, je crois que c'est irrémédiablement la fin, mon pauvre monsieur Félix. Au risque de radoter, je te redis que nous l'avons échappé belle. Attention à votre tête, le dernier mot n'est pas dit. Bonté divine. Oh, je suis navrée que nous n'ayons pas pu aller dans la Lune, vraiment navrée. À voir toutes ces étoiles, je crois que je pourrais m'en consoler facilement, petit Mickey.
wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Dites-moi un peu, monsieur Félix. Qu'est-ce que tu as, petit Mickey? Tu désires quelque chose? J'ai sommeil, mes yeux se ferment. Je voudrais, s'il vous plaît, aller faire mon dodo. Va vite te coucher. Ce livre sur Mars est tellement intéressant que j'aimerais essayer de le finir. C'est absolument passionnant. Alors, bonne lecture, monsieur Félix. Je vous souhaite le bonsoir. Elles sont là, en randonnion bien alignées. Suffisamment de fusées pour conquérir en un rien de temps la planète Terre. Et pas de carburant suffisamment puissant pour les propulser jusque-là. C'est horriblement frustrant. Si seulement j'avais de ce super carburant que fabrique Petit Biquet, tous mes problèmes se trouveraient résolus. Mais hélas, trois fois hélas, Petit Biquet est hors de ma portée. Pour mon malheur, il est sur la planète Terre. Hein? Qui es-tu, petit moustique attardé, saute à elle, naine, minuse, graine d'insignifiance? Je suis Marshall le Martien et je voudrais faire alliance avec vous pour que nous unissions nos forces. Avec moi, poussière de planète, pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous réussissiez à envahir la Terre, vous laisserez, je pense, Mars aux Martiens. Sans doute, sans doute. Mais de quelle façon, chétive créature, crois-tu pouvoir mettre d'un secours quelconque? Je peux aller sur la planète Terre et vous ramener Petit Biquet ici, si ça vous arrange. Parfait, parfait. Bon, alors c'est bien entendu, si je vous amène Petit Biquet ici, vous, vous promettez solennellement de quitter la planète Mars pour toujours. Oui, foi de cylindre. Mais une chose m'inquiète. Comment vas-tu faire, toi, pour atteindre la Terre? C'est bête comme chou, je vais me servir de ma petite capsule à voyager dans la quatrième dimension. C'est extrêmement simple. Regardez. Mais c'est extrêmement astucieux, cet engin, et c'est aussi tellement discret. Ah, c'était vraiment un excellent bouquin. Monsieur Martien, j'en ai froid dans le dos. Brrr. Tu n'étais pas là avant. Il se passe ici quelque chose d'extrêmement bizarre. Non, 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 sortez de là-dedans, monsieur Félix, sortez. Ah, voici donc la fameuse capsule à voyager dans la quatrième dimension. Quoi? Félix le chat? Pourquoi toi? Pourquoi? Vous attendez quelqu'un? C'est bon. Nous allons voir ce que nous allons voir, jeune futé. Bizarre, je vais mourir. Mais enfin, pourquoi me faites-vous ça à moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi? Je vais te le dire, moi, pourquoi. J'envoie un martien sur la Terre avec mission express de me ramener Petit Biquet. Et qu'est-ce que je vois arriver? Toi, Félix le chat. Ça y est, je vois. Vous voulez obtenir la formule secrète de son super carburant pour fusée afin de pouvoir envahir et conquérir la Terre. C'est exact. On ne peut rien te cacher. Toutes ces fusées rangées en bataille et qui se rangent d'inaction parce que je n'ai pas de carburant pour les envoyer sur la Terre. Et voilà, je suis de retour, monsieur le cylindre. Petit Biquet a accepté de venir sur la planète dans ma petite capsule et il est d'accord pour vous fabriquer du carburant. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vite, au travail! D'accord, à vos ordres, monsieur le Forentem. Bon, maintenant, cylindre, j'ai rempli ma clause du traité. À votre tour de remplir la vôtre. De remplir la mienne? Mais comment donc? Et voilà! Hé, n'ai-je pas déjà eu l'honneur de faire votre connaissance? Je
me présente, je suis Marshall le Martien. Ah, et connaissez-vous un moyen de nous sortir de cet affreux pétrin? Bien sûr. Faites comme moi. Allons-y. Nous, Martiens, pouvons absolument tout faire. Il nous suffit seulement de le vouloir. Maintenant, essayons de retrouver Petit Biquet. Voilà votre supra-super carburant pour fusée. Tout préparé, monsieur le Forentem. Mais je vous conseille de faire bien attention. Ce liquide est tout ce qu'il y a de dangereux. Mon Dieu, une explosion! Et voici monsieur le Forentem propulsé vers des mondes inconnus. Jamais de la vie, il se dirige droit sur une de ses fusées. Oui, et il semble avoir choisi la plus grosse. Le tableau de commande des fusées. Cette fois, il est bien parti. Beau travail, mon cher monsieur Félix. Petit Mickey, tout va bien? Tu n'es pas blessé? Non, je ne suis pas blessé. Tout va bien, mais j'ai affreusement sommeil. Il doit être minuit actuellement à l'heure de la Terre. Allez, Thérien, rentrez chez vous. Sa capsule a voyagé dans la quatrième dimension. La capsule de ces messieurs est avancée. Au revoir, Martial le Martien. Et encore merci. Wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Faites, patron. Je suis en train d'essayer de trouver un moyen de prendre à cette petite peste de Félix son sac magique. Mais fais-moi le plaisir, Rocky, de ne pas me déranger. J'ai en ce moment 1004 choses à faire. J'ai bien envie d'essayer ce petit bidule, ouais. C'est un générateur climatique instantané qui change le temps à volonté. Cet arbre que vous voyez là vient d'être frappé par la gelée. Je me demande si je pourrais en faire autant avec mon petit ami Félix. Tiens, le voilà. Mon Dieu, mais c'est de la grêle! Je vais creuser un tunnel dans la neige et tirer l'ami Félix par les pieds. On pourrait tomber dans ce trou si on y prend garde. Oh, que c'est froid! Quel est le malotru qui, par ce trou, me jette de la neige dans le cou? Maintenant, je vais pouvoir faire du ski. Et regardez le champion des films. Félix est tout trempé. Quel temps sans tenue-tête! Je vais rentrer chez moi et y rester bien tranquille. Il ne faut pas que je le laisse rester à la maison. Pierre,
Ses désirs sont des ordres pour moi. Il a dit, n'est-ce pas, qu'il voulait de l'eau glacée. Pas au point d'être transformé en glaçon? Que penses-tu des sautes de température ces temps-ci? Inutile de me menacer de cet engin bizarre! Hey, je suis pris dans le brouillard! Une vraie purée de pois! Chiche que je te transforme en purée de pois! Chiche! Voilà qui me fend le cœur, Félix. Je crois que je vais pleurer. Au secours! Au secours, Rosie! Aide-moi à sortir de ce brouillard qui est une de tes sales inventions! Attendez, mes amis, que j'aille dire au patron les merveilleux résultats obtenus sur Félix grâce à son générateur de conditions climatiques. Va être fier de moi, je me suis débrouillé comme un dieu. Tiens, qu'est-ce que j'ai froid tout d'un coup. Voilà le brouillard et Félix au milieu. Mais c'est qu'il avance vite, ce brouillard. Comme c'est drôle, voilà Félix dans le brouillard noir. Voilà Félix et son brouillard qui vont devoir se bagarrer avec un ours. Ben finalement, c'est pas si comique que ça. Je suis embrouillardé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Félix n'était pas dedans. Plus que je suis malheureux. Au secours, qu'on m'aide à sortir de là. Quoi? Quel est cet engin qui dépasse de ce brouillard? Très curieux. J'ai bien envie de le prendre. Voilà donc le petit appareil dont Rocky la Brute se sert pour changer le temps à volonté. Très bien, débrouille-toi avec ton brouillard. Mijote à ton tour dans la purée de pois, chiche. J'ai froid, je gèle. Je vais attraper une angine. Je vais y aller. Voilà ce sale brouillard qui s'approche à nouveau de moi. Pourvu que je puisse faire manœuvrer ce petit engin. Ah non, ça ne va pas recommencer. Je l'ai eu au tournant, ce brouillard, en fin de compte. Au secours! J'étouffe, je meurs! Au secours! Un bon éternuement me libérerait, je crois. Non, mon petit Rocky, non, n'y compte pas. Cette fois-ci, je vais me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Au secours, on m'a tué! Rocky, tu seras décidément toujours un triple idiot. Felix the cat, the
wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. T'en voilà un autre, patron. Je vais jouer l'air qui recharge le fer aimanté, ça nous fera une autre prise. Étranger, sois le bienvenu. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, viens vite te joindre à tous les autres étrangers qui n'ont plus leurs chevaux. Ils attendent tous, assis en rang d'oignons, d'attraper celui qui leur a volé leur monture. Allez-y, patron, jouez-nous cet air que nous aimons tous. En voilà encore un autre. Quand rien ne se passe. Patron, c'est Félix le chat. Je suis prêt. Regarde cet écriteau. On recherche un voleur de chevaux. Forte récompense. On recherche un voleur de chevaux. Forte récompense. Ouais. C'est le voleur. Ouais. Qu'on l'attrape et qu'on lui tord le cou. Ouais. Au voleur. Au voleur. Mes chers amis, le voilà justement qui entre. Regardez. Sale voleur, y'est n'importe. Attrapez-le. Condamnez-le. Au voleur. Un instant, messieurs, je vous prie. Faire respecter la loi, tel est mon rôle. Je n'en ai d'ailleurs pour preuve que mon insigne, où est mon insigne? Il n'a pas d'insigne, c'est un usurpateur. C'est lui, le voleur de chevaux. Non. Emmène le Rocky, c'est lui qu'on recherche. Excellente affaire, je vais avoir à moi tout seul tous les chevaux de l'Ouest. Réglons ça au revolver, si tu l'oses. Puisque je n'ai pas d'autre solution, osons. Oh, mon sicou! Mon Dieu, après mon insigne, où est mon sicou? À mort, le voleur. Poursuivez-le, rattrapez-le. Courez-lui après, rattrapez-le. Il vous a volé vos chevaux. Oui, rattrapons-le. Cette sale graine. Elle aussi. Il faut prendre une décision. Il faut rire. Il faut nommer un comité. Dépêchons-nous. On n'a plus de chevaux. Dépêchons-nous. Allons à pied. En route. Il est parti par là. Il faut vite. Dépêchons-nous, les gars. Je m'en vais prendre cette direction. Toi et les hommes partis par là sans perdre une seconde. À vos ordres, patron. Oula, vous autres, qui aime son cheval me suivre.
Je voulais juste aller jeter un petit coup d'œil à tous les chevaux que j'ai volés, grâce à mon électro-aimant perfectionné qui marche à tous les coups. Ah, que je suis intelligent. Tous ces magnifiques chevaux sont à moi, tous. Dieu que je suis malin. Que dis-je, génial. Et c'est l'ami Félix qui sera pris. Si je pouvais trouver le dispositif qui actionne cet aimant, tout le problème se trouverait résolu. Voyons, où cela peut-il être? Félix, c'est sûrement Félix qui est de retour à l'hôtel. Voyons, voyons, du calme, réfléchissons. J'avançais tranquillement sur mon cheval lorsque... À l'hôtel, vous autres, demi-tour à vitesse, le voleur de chevaux y est en ce moment. Vicien maudit, fonçons. Le voleur est retourné à l'hôtel. Voilà, messieurs, l'infâme individu qui vous a volé vos montures. Attendez un instant. Vous voyez ici? Au voleur, au voleur. Le voilà, messieurs, votre voleur. C'est faux. Permettez que je vous le prouve avec ces deux fers à cheval. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Rocky, il nous faut absolument emprunter de l'argent à Felix aujourd'hui. Nous en avons grand besoin pour nos vacances. Oui, mais Félix n'est qu'un grippe-sou sordide. Ça veut dire qu'on va rester à la maison? Non, j'aurai cet argent à tout prix d'une manière ou d'une autre. Oui, mais son horrible toutou va encore une fois nous prendre en chasse. Il faut trouver le moyen de se débarrasser de ce chien. Et ça, c'est un travail pour Marilyn. Vous tombez dans un gouffre d'illusions. C'est tout simplement une poupée de chiffon. Tu vas voir, elle va rapidement cesser d'être une poupée, dès que je l'aurai munie d'un de ses cerveaux électroniques. Un cerveau électronique? Oh, pardon. Voici mon machin BX-99, mon cerveau électronique entièrement télécommandé. C'est lui qui se chargera de gros toutous. Oh oui, et de Félix également. Là-haut, c'est le bureau de Félix. Je viens pour t'emprunter 10 000 dollars, Félix. Je regrette, mais c'est impossible. Tu ferais bien de réfléchir un peu, Félix. Non. Je tiens le matou, patron. Prenez l'argent. Allez-y, malin que vous êtes. Attendez que mon gros toutou s'occupe de vous. J'ai ce qu'il nous faut. Sauvons-nous. Rattrapez mon gros toutou. Allô, cerveau machin BX-99, vas-y, joue le grand jeu, sois un chien perdu sans collier. Non, mon gros toutou, non. Cerveau.
Bravo, machin BX-99, dirige-toi vers la rivière, tout droit vers la rivière. Regardez, patron, gros toutou vient d'avaler le cerveau machin électronique. Mais c'est une chance inespérée, mon joli Rocky. Vous croyez que c'est une chance? Certainement. Désormais, le gros toutou est sous mon contrôle. Oh, un chien en chiffon. Je n'y comprends rien. Attention, cerveau machin BX-99. Attaque Félix, mets-le en morceaux. Allons, viens vite, mon gros toutou. Cherche les bandits, cherche-les vite. Hé, hey, qu'est-ce que tu as, mon gros toutou? Tu grondes contre moi, maintenant? Servin, macho, cerveau, machin, vas-y, Atix, Félac, attaque, Félix! Mais qu'est-ce qu'il a, ce chien? Ça y est, Rocky, nous voilà débarrassés du toutou, partons vite en vacances! Les vacances. Oh oui, patron. Je ferais bien de rester en contact avec le cerveau machin. BX-99, attention, surveille bien Félix, ne le laisse pas s'échapper. Vénéré, patron, regardez. Vous êtes pris, tous les deux. Rendez-vous. Jamais. J'appelle le cerveau machin, j'appelle le corvée Machel. M'entendez-vous, cerveau à la graisse d'oie? Détruisez Félix, détruisez Félix. Ce cerveau électronique ne répond plus. Sauvons-nous, Rocky. Machin, détruisez Félix, ne perdez pas de temps. Détruisez Félix, faites vite, c'est urgent. Cerveau machin, m'entendez-vous? Détruisez Félix. C'est terminé, Rocky la brute. Tu es fait comme un rat. Cerveau machin, Sarvin, méchaud, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Sans cervelle, m'entendez-vous, Félix? Ça va, professeur. Je vous ordonne de me passer ce micro. Cerveau, machin, BX, n'importe quoi. Saisissez le professeur. Exécutez mes ordres. Non, pas ça. Saisissez le professeur. Thank you.
wonderful, wonderful cats. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vient de passer par-dessus le mur de pierre de Félix le chat. C'est sûrement un messager. Et c'est ici, cher Félix, dans la pyramide à pois roses sur fond gris, que j'ai découvert les fameux secrets de beauté de la reine Cléopâtre. Patron, c'est la clé de Cléopâtre. Ne sois pas bête comme un ton ordinaire. Les secrets de beauté de la très célèbre Cléopâtre. Mais il n'existe pas une femme au monde qui ne voudra les avoir. Nous allons être riches, riches, immensément riches. Venez immédiatement, vous serez mon associé, moitié-moitié. Je vous attends, votre ami, le professeur Papyrus. Dis-lui que je pars immédiatement et sans délai. Et nous, patron, il ne nous reste plus qu'à suivre Félix. Enfin, tu as compris. Maintenant, grâce à mon petit sac magique, je vais être là-bas en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Patron, cet océan me semble être tout à coup à marée basse. Patron, regardez! Regardez où nous sommes! Miséricorde! Nous nous intéressons aux secrets de beauté. Regardez, patron, la pyramide à pois roses. Hé, à trois, nous sommes trop lourds. Descendez, sinon nous allons nous écraser au sol. Oh, soyez le bienvenue, cher Félix, dans la chambre de beauté de Cléopâtre. Excuse-moi, Félix, t'as un moustique sur la tête, je vais l'écraser. Baum. Bravo, Rock, tu as bien réussi ton coup. Vous n'êtes pas des amis de Félix le chat? Mais si, monsieur, et nous prenons ses affaires très, très à cœur. Tellement à cœur que nous allons agir pour son compte pour tout ce qui concerne la chambre de beauté de Cléopâtre et ses fameux secrets. Je suis fait comme un rat, voilà donc la raison. J'aimerais savoir, messieurs, qui vous a mis au courant de cette affaire. Dans la lettre que vous avez écrite à Félix, vous dites que vous avez découvert les fameuses recettes de beauté de la célèbre reine d'Égypte. Et cela nous a tout de suite intéressés. Ces secrets m'appartiennent à moi et à Monsieur Papyrus. Nous avons décidé que vous nous abandonneriez vos intérêts et que vous rentreriez dans vos foyers. Je refuse de rentrer dans mes foyers, je veux poursuivre mon œuvre. Et nous, on a décidé de vous retirer de la circulation. Son associé, son momifié plutôt. Regardez ça, madame. La jolie petite momie que ça va faire, ça, dans une jolie boîte. «
Le dos au mur. Et n'essayez pas de bouger dans vos boîtes à violon. Vous avez l'air mignon, tiens. Ok, voilà la liste des produits de beauté. Voici le courtier. Crème pour le visage, rouge à lèvres, lotion pour faire pousser les cheveux, pour les faire tomber, pour friser, pour défriser, pour lisser les yeux. D'accord, tout y est. Celui-ci, celui-là, tout y est, patron. Ça doit être ça pour faire pousser les cheveux. Patron, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout drôle. Seigneur! Patron, c'est un peu long. Qu'est-ce que je vais devenir? Au secours! Où êtes-vous, patron? Tu me lèves le cœur rien qu'à te regarder. Rocky, ôte-moi, Cécile! Patron, ça y est, mes cils sont partis. Patron, regardez, nous grossissons. Et retirons maintenant ce qu'il y a de trop. Bien Malaki ne profite jamais. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Notre chère petite Vanda va être folle de joie. Elle se morfondait dans sa solitude, la chère enfant. Mais dites-moi, Félix, d'où téléphonez-vous? Quoi? Comment vous vous trouvez encore au pôle? Bon, eh bien, essayez d'arriver aussi vite que possible. Nous fonçons sans perdre une minute. Oh, il commence vraiment à faire plus qu'à ici. Oh, ce qu'il me faudrait, c'est une bonne boisson bien chaude. Voici Rocky, c'est l'emplacement exact, j'en suis sûr. Commence à creuser. Plus vite, Rocky, quel lambin, plus vite! Bon, ça va bien comme ça, ça suffit. Attrape ma main solidement, cramponne-toi, allez, hop! Patron, attention, vous êtes sur ma tête, vous êtes en équilibre sur mon crâne. Et si je pouvais y faire entrer quelques idées, je n'aurais pas perdu mon temps. Propulse-moi hors de ce trou. C'est bon, cervelle obtuse, attrape cette corde. Dites-moi, patron, pourquoi diable m'avez-vous fait creuser ce trou? Pour y prendre au passage Félix et son mort cervelle rétrécie. J'ai l'intelligence prise à défaut. Pourquoi avons-nous besoin d'un cheval marin?
Petit Rocky a oublié. Faudra-t-il toujours que j'ai de la matière grise pour deux pour en tirer 10 000 dollars, cervelle étriquée? J'y suis. Et au lieu de les attendre avec un revolver, on va les faire soir dans le trou. Enfin, la mémoire te revient parfaitement. Et ça va être le moment. Les voilà qui viennent, Félix est au volant. Qui passe une seconde à perdre de la neige fraîche sur ce trou. Quoi? Oh, le professeur! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore? Au secours, Félix, au secours! Le pauvre Rocky a eu un malaise. Oh, le pauvre vieux! Est-ce que je peux faire quelque... Ah! Vous n'avez pas honte? Vous ne pouvez pas me faire ça à moi! Tu vois comme les avis diffèrent. Justement, nous, on trouve qu'on peut. Victoire sur toute la ligne, Rocky, mon ami, en route. À vos ordres, patron, mais avant, il faut que j'aille m'occuper de notre morse. Patron, j'ai encore oublié. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce cheval marin? Pour le céder au jardin zoologique contre une somme de 10 000 dollars. Vous ne trouvez pas que plus on avance, plus la route devient mauvaise, patron? Très juste, on se croirait à la fête sur les montagnes russes. J'ai peur, patron, j'ai mal à mon cœur. Nous sommes sur l'eau, laquelle a gelé lors de la dernière tempête de neige. Mais nous ne courons aucun danger tant que la température la maintient à l'état de glace. Patron, qu'est-ce que c'est que ce machin rouge là-bas? Et c'est rien, gros peureux, c'est le soleil. Oh ben ça c'est rien alors. Ça veut dire qu'on doit être au printemps. Au printemps? Le soleil, malheur! Patron, vous sentez, la glace devient toute molle. C'est le dégel, la fonte des neiges, la débâcle. Au secours! Mais patron, nous coulons. Au secours! Il faut à tout prix sauver notre morse et nos 10 000 dollars. Voulez-vous que je vous dise, patron? Ce n'est pas nous qui sauverons le morse, c'est lui qui nous sauvera. À moi! Rocky, il faut nous résigner à mourir gelé. Que c'est triste, mourir si jeune et mourir si gelé. Mais je ne me trompe pas, c'est Félix. Salut à toi, Walter. Félix, nous coulons gelés, au secours. Voilà, j'arrive, attrapez cette corde. Maintenant, tenez bon. Que c'est froid. J'ai l'impression d'être dans un réfrigérateur. Réfrigérateur, tu en as de bonnes. C'est dans le congélateur que tu devrais dire si ton esprit n'était pas en hibernation.
wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Enfin, enfin, une lettre de Félix. Il nous dit que le morse et lui sont maintenant sur la route du retour et progressent doucement. J'ai eu, dit-il, quelques ennuis avec deux infâmes agresseurs. Des agresseurs, cette race-là existe au pôle Nord, mais ils sont en prison hors d'état de nuire. À bientôt, mon cher gardien, Félix le chat. Des agresseurs en prison. Toujours brave, ce Félix. À votre avis, patron, pour combien de temps en avons-nous cette fois? Pas trop longtemps, nous devons purger une peine de 10 jours. Mais dites-moi, patron, vous qui êtes savant, savez-vous combien dure la journée au pôle Nord? 6 mois, mon petit, la même chose que les nuits. 6 mois! Rocky, nous sommes toi et moi derrière les barreaux pour 10 ans. 10 ans? Mais nous ne rattraperons jamais Félix et le cheval marin. Et si nous n'y rattraperons pas jamais, nous ne toucherons les fameux 10 000 dollars. Dites-moi, je me posais une question. En quoi sont faits les barreaux derrière lesquels nous sommes? Comme tout le reste dans ce pays, ils sont en glace. Tiens, oui, au fait, ils sont en glace. Vite, Rocky, as-tu un pic à glace? Mais bien sûr, patron, j'ai toujours un petit pic à glace. Alors attaque-toi à ces barreaux tout de suite, nous allons nous évader. Tiens, nous tenons Félix, patron. Le professeur sous l'uniforme des ours polaires. Regarde, et Rocky, qu'est-ce que t'en dis? C'est bon, ne perdons pas de temps, mets-le à l'eau. Mais vous vous rendez compte qu'elle est glaciale? Walter, moi que je nourris, au secours! Tu perds ton temps, il fait sa sieste. Tiens, voilà de la gomme à faire des bulles pour te tenir tranquille. Un peu de nage sous-marine, jeune homme. Ça t'entraînera pour les Jeux Olympiques. Bon coup bien réussi, à nous les 10 000 dollars. Au secours! Au secours! Nous sommes tranquilles, nous sommes sur le chemin de la fortune. Ça oui, c'était rudement malin de notre part de fourrer Félix au fond de ce trou d'eau. De ma part, veux-tu dire, toi, tu n'es pas assez intelligent. Et maintenant, nous allons vendre son morse pour 10 000 dollars.
qu'est-ce que c'est là devant nous? Qu'est-ce que c'est que cette montagne? C'est une montagne de glace. Elle est énorme, comme tu vois, et porte le nom de Grand Atlas Barricade. Mais comment allons-nous faire pour passer de l'autre côté? Un seul moyen, il faudra grimper puis redescendre. Et qu'est-ce qu'on va faire de notre cheval marin? Nous le porterons, pas question de le laisser. Vous prenez vos rêves pour des réalités. Mais regarde-moi, je vais te montrer. C'est facile, tu vois. Maintenant, amène le cheval marin. Hé, hey, patron, c'est pas le moment de dormir. C'est inutile, il faut y renoncer. Ça ne devrait pas être permis de faire de la glace aussi glissante. Écoutez, j'ai l'impression que quelqu'un vient. Qu'est-ce qui te prend, Félix? Tu veux que Rock attrape une bronchopneumonie dans cette eau glacée? Ah oui, eh bien, ce serait bien fait pour lui. Tu es coincé de toute façon. Personne ne peut franchir cette énorme montagne de glace, la Grande Atlas Barricade. Vantard, va. Vous avez vu, patron, Félix et le morse se sont envolés. C'est absolument insensé, incroyable, mais vrai. Et toi et moi, mon pauvre Rocky, nous avons raté le coche. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Oh, c'est que je peux m'ennuyer. Je n'ai absolument rien à faire dans la maison. J'aimerais tellement avoir une occupation. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais emporter un petit casse-croûte et je vais chercher du travail. Comment vais-je emporter tout ça? Ah! Eh ben, mon petit sac magique va faire l'affaire. Rocky! Me grondez pas, patron vénéré. J'ai laissé tomber une bouteille. Qu'est-ce que tu voulais faire? Eh bien, j'essayais de mettre un peu d'ordre là-dedans. Ce laboratoire est une vaste pagaille. Je le sais. Nous aurions besoin d'un homme de peine ici. Tiens, tu mettras ça à la fenêtre. Et voyons voir, on demande un homme de peine. Laboratoire du professeur? Oh, après tout, c'est un travail comme un autre. Nous sommes d'accord, Félix. Je te prends chez moi. Laisse-moi te débarrasser de ton sac. Non, j'ai mon casse-croûte dedans. Très bien. Commence par laver toutes ces bouteilles et rapidement. Oui, et tâche de ne pas en casser. Pendant 128 jours, j'ai essayé de mettre la main sur ce sac. Et maintenant... Je le prendrai pour vous, patron. Si tu veux, mais fais bien attention, ce sac est plein de malice. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est rien du tout. Occupe-toi de ton travail. C'est l'heure du bon miam miam. Je suis idiot, patron. Et vous, intelligent. Mais pourquoi voulez-vous ce sac, puisqu'il n'y a que Félix qui sache s'en servir? Tu as raison. Si seulement je pouvais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il me pousse une idée géniale. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? C'est de la lumière liquide. De la lumière liquide? Oui.
Le sac de Félix est entrouvert. Tu verseras ça à l'intérieur. Et alors, je pourrai voir comment ça fonctionne. Mais il faut détourner l'attention de Félix. Félix, mon ami, je voulais te dire quelque chose. Oh, c'est un verre d'eau fraîche pour moi? Merci, Rocky. Mais je suis en train de disparaître. Oui, exactement comme l'homme invisible. C'est pourtant limpide, c'est même très clair. Tu es devenu transparent. Oh non! Je n'y comprends plus rien du tout, professeur. Pourquoi suis-je devenu transparent? Parce que tu as bu de ma lumière liquide, c'est tout simple. Oui, et maintenant tu vois, je vois à travers toi. Je le ferai à condition que tu fasses quelque chose pour moi. Hein? Montre-moi tous les secrets de ton fameux petit sac magique. Non, jamais! À ton aise, tête de mule, alors débrouille-toi tout seul. Personne ne franchira cette porte à moins de me passer sur le corps. Cher patron adoré, au secours! Tout le monde me passe au travers. Cher patron, venez vite me sauver, il me prend pour un beefsteak. Tu es ridicule, il ne s'agit que d'une pure illusion, je vais arranger ça. C'est peut-être une illusion, mais il y a un os, molosse et colosse. Ce molosse devient de plus en plus grand. Oh non! Félix, au secours! Vous m'avez appelé? Félix, rappelle immédiatement ce monstre. Tu n'as pas le droit de faire ça. Oui, et votre lumière liquide, vous aviez le droit de faire ça? Rappelle cet affreux matou et ensuite je te solidifierai. C'est de l'obscurité liquide. Avale ça. De l'obscurité liquide? J'espère que ça n'est pas mauvais. Ah, j'aime mieux ça. Voilà, je t'ai redonné ton état normal. Tu es beau maintenant, un vrai chat. Alors débarrasse-nous de ce monstre. Tout de suite. La réalité dépasse la fiction. Au revoir, bête monstrueuse. Oh, toutes ces émotions m'ont épuisé. Vous partez déjà? Restez donc avec nous. Un verre d'eau. Tenez, buvez ça, mon pauvre petit patron adoré. Mais où suis-je? Je n'ai plus de main. Quand? Je ne vois plus non plus votre tête. Oh, qui imbécile heureux, tu m'as donné à boire la lumière liquide. Et alors, moi aussi, je l'ai bu, votre mixture. Wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat.
enrichir l'esprit, comme celui-ci. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le vent qui fait claquer les volets. C'est la poignée qui est cassée. Il va falloir que je le cloue pour avoir la paix. Le FBI communique à l'instant. Que chacun soit sur ses gardes. On recherche l'ennemi public numéro 1 et l'ennemi public numéro 2. Le chef, le plus petit, a une longue moustache blanche. Quant à l'autre, il est de forte corpulence et dangereux. Ces parasites toujours au bon moment. Je n'ai pas pu comprendre les noms. Tiens, quelqu'un de forte corpulence et un autre plus petit avec une grande moustache. Rocky la brute et le professeur malin. Ça ne fait rien, je suis en sécurité dans ma maison. Patron, je voudrais vous poser une question. Vous croyez que Félix n'est pas chez lui? J'en suis presque certain. Vas-y, frappe à nouveau. Je trouve qu'on gèle ici. Le mieux serait d'entrer à l'intérieur. Le professeur et Rocky la brute viennent dans la maison. Ah, ils sont déjà dans la prison. Il n'est pas là, qu'à cela me tienne. Nous allons l'attendre. Il va en faire une tête quand il l'ouvrira. Il risque d'avoir une crise cardiaque. Et de tomber foudroyé, voilà qui serait vraiment bien dommage. Il faut absolument que je m'échappe. Ces deux voyous veulent ma mort. La fenêtre! Horreur! Je l'ai tout à l'heure clouée de l'extérieur. Fait comme un rat. Si seulement j'avais mon cher petit sac magique. Mais j'y pense, il est en haut dans la chambre. En grimpant le long de ce tuyau, je pourrais peut-être l'atteindre. Il fait noir comme dans un four ici. Ah, je vois une lumière. La lampe pilote, mon Dieu. Ce qui veut dire que je suis dans la chaudière et que comble de malheur, la porte est fermée du dehors. Je commence à trouver le temps long. Félix n'en finit pas de rentrer à la maison. Tu n'as aucune patience, mon pauvre Rocky. Il finira bien par rentrer chez lui. Peut-être, mais en attendant, moi j'ai froid aux pieds. Le cadran de réglage de la chaudière est ici. Pousse un tout petit peu l'aiguille. Oui, patron. Excusez-moi, patron, mais j'en ai assez, plus qu'assez de rester là à attendre Félix. Et moi donc, tu crois que ça m'amuse? Je suis là, coincée dans ma chaudière, avec la chaleur poussée au maximum, et Rocky la brute et le professeur m'attendent menaçant dans mon entrée. Il faut que je m'échappe avant de mourir brûlée. Je ne réussirai que si je mets la main sur mon joli petit sac magique. Voilà la chambre, là, et mon cher petit sac magique sur la commode. La grille est fermée de l'autre côté. Je suis fait comme deux rats. Peut-être que Félix est déjà dans son lit en train de dormir. Le mieux est d'y aller voir. Emporte le matériel. Entendu, patron. Oh, oh. Regarde, Rocky, sur la commode, le fameux petit sac magique. Quand je pense que je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner pour mon usage personnel. C'est vrai, patron. Je vais essayer. Inutile, Rocky, tu perds ton temps. Seul Félix connaît la formule secrète pour en faire ce qu'il veut. Rocky, tu as une intelligence supérieure. Tu as trouvé le secret du sac magique. Oui, mais j'ai peur. J'aimerais bien que Félix vienne. Félix. C'est gentil de venir nous dire un petit bonjour. Vous souhaitiez tous les deux me voir? Bon, et après? Une seconde, mon petit Félix, ne nous énervons pas, nous sommes venus en amis. Inutile, pas de baratin. Je sais que vous êtes recherché par le FBI et que je... Les toutes dernières nouvelles. Les ennemis publics numéro 1 et 2 ont été capturés par le FBI aujourd'hui. Les coupables seront jugés sous peu. Donc, logiquement, vous êtes innocent? Mais pour moi, ce n'est tout de même pas très clair.
C'est simple comme bonjour, mon ami. Nous sommes venus en amis, nous voulons être amis. Ben voyons, ça crève les yeux. Oh, une dinde! Et moi, justement, qui meurt de faim. Mais on n'a même pas de table où la poser, cette bébête. Je vais vous en donner une tout de suite. Nous y arrivons, le fameux sac magique. Personne. Bonjour, monsieur Félix. Vous vous rappelez, je pense, Martial le Martien. Bien sûr. Bonjour, Martial. Monsieur le Forantem. Comment allez-vous, mon cher Félix? Soyez le bienvenu, mon cher le Forantem. Bon anniversaire, mon cher Félix. Ouah, ouah, Félix. Tous mes voeux, Félix. C'est mon anniversaire.